Club pour nous parler d'une tournée assez spéciale, hein, Clubbing TV, un rendez-vous qu'on connaît à Maurice, qui repasse par notre île ce samedi. Javed Vahid en studio, bonjour. Bonjour, Miguel. Je disais un enfant terrible, c'est un peu ça. Ouais, ça va, ça dépend des jours. Mais vous êtes des enfants terribles, ça c'est sûr et certain. Sûr. Alors, plus mes clients que moi-même. Mais... qu'est-ce que vous venez nous proposer ou qu'est-ce que tu veux? Voilà, Javed m'a dit, bon, tu peux me tutoyer parce qu'après, là, quoi, la 5 ou 6 fois, c'est bon. Allez, allez, vous êtes ici à la maison, de toutes les façons. Tu organises quoi, donc, Javed? Alors, écoute, Miguel, l'année dernière, on était venus avec l'équipe de Clubbing TV chez toi. Ouais. On avait organisé un bel événement au Château de la Bourdonnais. Mm-hmm. Donc, on remet les couverts cette année avec l'équipe qui, malheureusement, arrive que vendredi. Donc, j'ai pas, okay. pas pu les amener aujourd'hui. Mais calendrier oblige. Hein. Voilà. Ce qui est différent cette année, c'est que c'est un événement 100% underground. Okay. Et avec un concept en deux parties. Une première partie dans un hôtel 5 étoiles, mm-hmm. en l'occurrence Angsana à Balaclava. D'accord. Entre midi et 11h du soir. Et ensuite la deuxième partie entre 11h du soir et 8h du matin. Okay. Au LET, aux enfants terribles. Mm-hmm. Donc, alors une longue journée, on va oui, dire. Oui, 20h. Donc et pour c'est les fêtards, assez long. C'est rendez-vous. Oui, exactement. Mm-hmm. Faut avoir le cœur solide. Alors, Underground, pourquoi ce concept-là cette année, pour cette édition? Alors, en fait, on s'est adapté à la demande parce okay. que la musique underground a vraiment pris à l'île Maurice. Mm-hmm. J'ai voulu plaire au public et changer un peu notre style. Donc on a fait venir des pointures de Berlin et de France pour l'événement. 5 DJ internationaux de la Réunion aussi. Alors, pointures, on va les citer. Hein. Qui oui. sont-ils qui Alors, sont-ils les premiers sont Chopstick and John John. C'est un duo berlinois mm-hmm. du label Suol qui... Il représente notamment Fritz Kalkbrenner, c'est un très très bon label. D'accord. Et Citizen Kane de France, mm-hmm. qui est le propriétaire du label Neverending, qui est très très bon lui aussi. Et puis nos amis de La Réunion, on a fait venir les Native Bros, donc qui vont jouer dans le VIP au LET toute la soirée. D'accord, alors LET c'est les enfants terribles, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, oui. mais quoi que bon, les habitués savent de quoi on parle. On fait comment pour participer à ces deux événements? Alors écoute, il y a des billets en pré-vente mm-hmm. À travers nos ambassadeurs dans toute l'île, donc dans toutes les régions. Bon, je ne pourrais pas dire tous les numéros, mais vous pouvez les retrouver sur Facebook, ouais. sur notre événement Facebook. Ou sur notre page, j'imagine. Sur notre page, oui, on a... Mm-hmm. Il faut vraiment... c'est partout sur Facebook. Ouais, voilà. On ne peut pas passer à côté de cet événement. Exactement. Ouais. Et sinon, il y a une hotline, c'est le 5-253-81-85. Alors, vous allez nous redonner ce numéro-là. Hein, c'est le 5-253-81-85. Mm-hmm. Ou sinon, on peut acheter sur place aussi. Hein, donc, c'est pas un problème. Le jour de l'événement. Le jour de l'événement, mais les places au Angsana sont assez limitées. Voilà, vous pourrez accueillir combien de personnes? Alors, on avait dit 300 au début, mais vu que l'ampleur et la demande, Angsana a été très gentil de nous donner la plage devant la villa. Okay. Donc je pense qu'on va augmenter à 400 personnes. Donc 400 personnes à Angsana et 1000 personnes au LET. À savoir que c'est un cadre magnifique. Ah hein. oui, magnifique. Du côté de Balaclava, c'est un petit coin c'est... perdu ou presque. Exactement, mais c'est très sauvage. C'est un boutique hôtel. Mm-hmm. On a la Villa Impériale pour nous. Tu vois un peu les fêtes de Stifler dans American Pie. Alors non, les auditeurs du club, là, ils doivent se rappeler qu'on avait présenté avec l'équipe de Radio One et du club des reportages à Angsana. On avait fait une visite guidée pour la cuisine, entre autres, thaïlandaise, etc. On avait présenté tout ça, qui met okay. l'accent sur le vert aussi, la nature, oui, exact. Ah ben là, le setup va mettre... En fait, le concept de ce qui est son lumière déco, c'est pour mettre en valeur l'endroit. Ouais. Il n'y aura pas du tout much. Et côté nature, donc, on est servi. Voilà, super. Les arbres seront mis en valeur, la mer, le DJ sera face à la mer. Donc imagine un peu le cadre. Les calogéros et les passifs ne seront pas là. Non. Pas face à la mer. Non, d'accord, ok. Là, ce sera underground. Exactement. Le décor est bien planté. Un peu différent. Ben voilà, en tout cas pour vous amuser, ça commence à partir, bon non, partir alors midi à... Midi à 23h, ouais. Angsana, mm-hmm. 23h, 8h du matin, les enfants terribles. Alors pour les vénards qui pourront aller du côté d'Angsana... Il y a deux prix, génial. Donc c'est 1000 roupies pour aller aux deux, mm-hmm. ou 600 roupies seulement aux enfants terribles. Ben, donc voilà, vous avez le choix entre deux budgets et deux soirées, ou si vous êtes vraiment des party animals, comme on dit, mm-hmm. vous faites les deux. Ah bah écoutez, là je suis certain qu'ils seront assez nombreux, d'autant que les vacances sont là, donc on oui, profite, tout à fait, on a déjà... froid, donc on a envie de se réchauffer en dansant, évidemment. Tout à fait. Quand on me disait que c'était l'hiver et que les gens allaient avoir froid, j'ai rigolé parce que c'est une très mauvaise analyse.
Oui. On aura plutôt non, mais ça chaud dépend, en hiver. Ça dépend où vous habitez, vous. Hein. Vous habitez quoi? Sur le littoral? Non, 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 j'habite à 4 bornes, mais je parle de la fête, là. Hein. Mais ça va, les gens m'ont dit qu'ils auront froid pendant la soirée ou la journée. Vous allez réchauffer tout le monde pendant la soirée. Ils vont se réchauffer entre eux, oui. En tout cas, c'est dit, voilà, les enfants terribles qui vous proposent une nouvelle fois ce Clubbing TV Tour. Filmé, diffusé internationalement, donc c'est une grosse promotion pour l'île Maurice. Mm-hmm. L'année dernière, on a été diffusé pendant un an, ça va être la même chose cette fois-ci. Et dans un autre cas, dans un autre cas, ça allait être une de mes questions. Hein. Après le château de l'abandonné, où ça a été génialissime, oui. Un grand espace et tout, pourquoi changer de lieu? Ben, j'imagine que là déjà. Premièrement, c'est pour changer un peu de concept. On n'aime pas faire les mêmes choses. Ok. Ça mérite d'être clair. Et le lieu a été un peu saturé également. Il y a eu plusieurs événements. Nous, on aime être plutôt dans l'exclusivité. Autre chose. Oui, tout à fait. On est plutôt dans l'exclusivité. On ne vise pas 2 ou 3 000 personnes. Mm-hmm. On est plutôt dans les 1 000 personnes. Et pour passer un bon moment ensemble. Et dans des cadres exceptionnels, avec un setup exceptionnel et un programme musical exceptionnel aussi. Alors, on parle de samedi, c'est de quel samedi, Ce samedi 25, ce samedi. Oh, voilà. Donc, en 3 jours. Le préciser. En 3 jours, oui. Donc, vous avez encore 3 jours pour acheter vos billets. Avec bon, pas trop tardé aussi, parce que c'est qu'elle est pig. On a déjà rendu à peu près 50% du total des billets disponibles. Anxana, trois quarts des billets sont déjà vendus. Bon, vu que je vais rajouter 100 places, donc... Allez, là, on pousse un ouf de soulagement. Et bien, faites vite quand même, hein. Oui, il faut quand même faire vite, aller voir nos ambassadeurs, c'est le mieux. Et parce que les billets sont plus chers le jour sur place également de 20%. Donc. Contactez vos ambassadeurs. Et avant de repartir à Javed, vous nous rappelez le numéro de téléphone, la hotline? Alors, c'est juste...